À quelques semaines de la grande cérémonie Miss France 2023, Cameron Vallière, qui a préalablement été élue Miss Languedoc, dévoile sur Instagram sa préparation physique et mentale. Accrochez-vous. La pression monte pour les jeunes femmes en lice pour remporter la couronne de Miss France 2023. Le samedi 17 décembre prochain, les 30 Miss régionales, dont les portraits ont enfin été dévoilés, monteront sur scène à Châteauroux dans l'espoir de succéder à Diane Lair, la Miss France 2022. La tant attendue cérémonie sera, comme à son habitude, présentée par Jean-Pierre Foucault, qui acceptera de passer le flambeau à un autre animateur à une seule condition, devant un jury présidé par Francis Huster. Ce dernier pourra également compter sur la présence de la judokaté Clarisse Agbenienou, le scénariste Dominique Besnéard, le comédien Arnaud Ducret, le chanteur Kenji Girac, la chanteuse Camille Lelouch et Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Programme sportif et année de césure pour Miss Languedoc. Parmi les reines de beauté présentes dans la compétition, Cameron Vallière, qui a été élue Miss Languedoc lors des élections régionales. Afin de se consacrer pleinement à la compétition, elle a fait savoir à ses abonnés sur Instagram qu'elle avait mis entre parenthèses ses études en marketing et communication, « Je fais une année de césure. Je reprendrai mon master de l'année prochaine. » Un temps libre qui lui permet de se préparer comme il se doit physiquement, j'ai adopté un programme à la salle, à raison de 2 fois par semaine, pour renforcer mon corps et mon système immunitaire, détaille-t-elle. Elle ajoute qu'elle a également commencé une cure de zinc et de vitamines pour être en forme durant toute l'aventure. Les appréhensions de Cameron Vallière à quelques semaines de l'élection de Miss France 2023 pour se sentir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Cameron Vallière est suivi par une coach personnelle, pour prendre confiance en moi et pour m'améliorer au niveau de mon aisance à l'oral, précise-t-elle. Et pour cause, comme beaucoup de prétendantes, Miss Languedoc appréhende de prendre la parole devant tout le monde, ce qui me stresse. Si est de ne pas pouvoir montrer en une minute qui je suis. Il faut travailler un discours cohérent et impactant, si est très important. Enfin, une dernière chose l'inquiète, comme si est aussi le cas chez les autres Miss. Si est celle de tomber pendant la cérémonie, la chute sur scène. Trébucher. Se prendre les pieds dans la robe, confie-t-elle à ses abonnés déjà nombreux. Testez vos connaissances en répondant au quiz de culture générale de Miss France 2023 et tentez de remporter de nombreux cadeaux. À lire aussi Miss France 2023, voici les réseaux sociaux des 30 candidates.